Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Resident Evil, et me voici dans une pièce. Alors je sais plus trop ce qu'il faut faire, c'est vrai qu'avec la sortie de Black Ops 3, je passe beaucoup de temps dessus, et j'en oublie un petit peu le reste, hein. Et alors, j'ai la capsule carburant, je crois qu'il faut aller la remplir, ou, je me souviens pas, je suis ici, j'avais fait le bzoubzoub, je me souviens, avec les espèces de mouches mutantes, je vais retourner en arrière, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, bon, on y va, allez hop. Donc finalement, à chaque fois, je pense que c'est le dernier épisode ou quoi, et finalement, le jeu tarde un petit peu avant d'arriver à la fin. Mais en ce qui me concerne, je me souviens franchement absolument de rien de tout ce que je fais là. Je sais pas si ça faisait partie du jeu original ou s'ils l'ont rajouté après, parce que là, c'est la version remasterisée HD. Effectivement, peut-être que pour certains, les graphismes paraissent un petit peu pas au top, mais je peux vous garantir que pour la version originale, c'était 100 fois pire que ça. Voilà, mais non, moi je trouve que c'est bien. De toute façon, en règle générale, je trouve que y a beaucoup de jeux qui se focalisent trop sur le graphisme en lui-même. Voilà, alors je vais baisser un petit peu le son du jeu. Et des jeux qui où ils font beaucoup trop pour le graphisme, derrière, ils en oublient un petit peu le gameplay. Et je pense que c'est un petit peu le problème de beaucoup de jeux aujourd'hui, en disant, voilà, ils t'en mettent plein les yeux, tu vois, des trailers de malade, des graphismes de ouf. Tu joues au jeu et il n'y a pas cette âme, tu vois, il manque un truc, il manque un truc. Alors, où je dois aller? Parce que là, c'était pas là, il y avait un endroit où il y avait... Oh, peut-être qu'il faut que je ressorte, on va savoir. Bon, allez, on va faire un petit tour, on va aller chercher ça. Mais bon, on va ouvrir là, allez hop, on va aller voir ce qui se passe. Ça a l'air de fonctionner, l'actionner, ok. Allez, faut que tu vas me demander d'actionner les deux. Non mais sans blague, tu peux pas faire les deux en même temps. T'as deux mains, ça sert à quoi? Bon, voyons voir un peu ce qu'il nous donne là. Là, vraiment, c'est le suspense. Et j'ai plus beaucoup de munitions, donc j'aime bien le plan, là. Ah, petite musique angoissante. Non, mais pourquoi j'ai appuyé pour le demi-tour? Elle a peur, la gamine, elle a peur! Elle se dit, qu'est-ce qui m'attend? On voit rien, là, hein. Ah, un tapis, non? Putain, ça m'a fait même limite peur. Chris! Jill? You're alive! Of course I'm alive. Of course I'm alive. Jill, there's something big going down, and I don't think we're part of the equation. Ah. I have to get you out of here. It won't open. Hey. Wait, I'll be back. C'est ce qu'on appelle une prison, hein, même cocotte. Okay. C'est une pigeonne, de façon, on le sait. Ah bah ouais, bah tu penses qu'il l'aurait ouverte, hein, si elle s'ouvrait la porte, hein. Ah, mais bon. Bon, alors au moins on a trouvé Chris. Effectivement, c'est vrai qu'on, avec toute l'histoire, on les avait complètement oubliés, les ozos, là. Bon, Barry, c'est un traître. Voilà. Et puis Wesker, aussi. On perd pas de temps. Ah, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pense que c'est là, finalement, parce que c'est vrai que j'ai fait tout le tour. Ça doit être là. Voilà, je vois pas où est-ce que ça va être, sinon. Alors, il y a un mec, on va le shooter. Voilà. Ne reviens plus. S'il te plaît. Voilà, c'était effectivement là, je voulais pas y aller. Oh merde. Ah oui. Ah il a si... Ah ouais, j'attends. Allez, il est mort, il est mort. Oui, je voulais pas rentrer parce que j'entendais le mec, je dis... Et finalement, j'ai fait tout le tour de la... du jeu. Et c'était pas là. Mettre la capsule en place, oui. Et finalement, c'était là. Voilà, donc bon, c'est pas grave. Bon, et ben alors, j'ai la capsule de carburant. Le fait de courir pourrait provoquer une explosion mortelle. Ah! Ok. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille comme ça ou quoi? Oh, t'imagines le malaise! Ouais, c'est pas très loin, heureusement, mais... assez sympa, ce truc. Bon, bah, écoute. J'ai... Alors, attends. Par contre... J'ai plus que deux balles! Ah! Alors, je vais prendre une trousse de premier secours. On sait jamais. Je vais aller voir qu'est-ce que j'ai comme munitions. De toute façon, je crois qu'on passe devant un coffre avant d'aller là où il faut mettre la capsule. C'est une bonne chose, on va dire, parce que bon. Alors là, le problème, c'est qu'il y a un zombie. Et il faut pas courir. Et j'ai plus que deux balles. On peut courir un peu quand même. J'ai pas envie de me faire exploser. Ne faites pas de bruit, vous allez l'attirer, le con.
affolé au bout. Putain. Oh le malaise. Alors pour pas... J'ai failli exploser. Pour pas courir, c'est simple, faut pas bouger le joystick trop. Allez. Où est-ce que je suis? Je suis dans le bon truc, oui, parce que... Bah, pas non plus, vu à l'allure à laquelle on va. Doucement, doucement, va pas exploser, va pas exploser. Alors, par simple humour, je crois que j'aimerais bien courir juste pour ne pas exploser. Juste pour l'ironie de la chose, mais... non, pas ça, je vais la garder au cas où. Qu'est-ce que j'ai comme, comme arme? Parce que là, 2 balles de fusil à pompe, ça va pas m'emmener loin. Hein. Je crois que je vais prendre le lance-boule. Hein. Ok, ça je vais l'échanger contre... Ah, il y a le magnum, il a 6 munitions le magnum. C'est vrai que le magnum est quand même super puissant. Et je sais pas ce qui m'attend. Alors, j'hésite. Vas-y, tu sais quoi? Je vais prendre le magnum. En plus, j'ai une petite balle qui traîne. Alors ça, ce pistolet là, un coup, là, je sais pas à quoi il sert, mais il y a une balle. Je vais pas me prendre une place dans mes 8 places pour une balle. Avec le magnum, ça peut faire la tambouille. On verra bien. On verra bien, j'ai dit. Putain, il me fait peur avec ce bruit. Bon bah, écoute. Marchons. De toute façon, là, je suis rentré dans le bâtiment. J'ai tué toutes les espèces de d'abeilles mutantes. Je sais pas si c'est d'abeilles mutantes, mais ça ressemble bien à ça. J'espère qu'il y en a plus, parce que j'ai utilisé énormément de munitions sur ces salopes, hein. Je veux pas dire de gros mots, mais c'était le cas. Je crois que c'était au fond. Hein. Cours pas, malheureuse. Il a PAM. Putain. Oui, c'était là. Ah. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, je peux courir maintenant. J'ai plus de capsule, je crois pas. Non, c'est pas ça. Voilà. Je vais m'équiper quand même, au cas où. Au cas où. Alors là, je vais aller au bout, parce que j'imagine que ça a fait une opération ici. Hein. Bon. J'espère, en tout cas. Je sais plus trop ce qui se passe. Je sais qu'il y a encore des choses à faire, parce qu'il y a Chris à aller chercher. Oh putain, il est encore là. Tu sais quoi? Et franchement, je vais pas... Je vais essayer de pas utiliser mes munitions pour rien. Parce qu'on sait pas ce qui m'attend après. La dernière fois, j'ai voulu tous les buter. Et malheureusement, c'était pas forcément un bon calcul en termes de survie. Et donc là, me voici dans la pièce chaude. Allez, déshabille-toi, Jill. Ouais, bah écoute. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça c'est pas là. Ah, voilà, c'est là. Non? C'est là? C'est où ce putain d'ascenseur? Ah, il est au fond là-haut. Ah merde. Ah ouais, ok. Au moins, écoute. C'est marrant quand même, pour activer l'ascenseur, c'est à côté du système d'autodestruction. Ça me dit rien qui vaille. Mesdames et mesdames. Et mesdames. Alors attends, je vais essayer de l'esquiver encore l'autre fois, l'autre gizmo là. Yop là! Je t'ai niqué. Donc normalement, je n'ai plus besoin de revenir là, sauf qu'il y a le mécanisme d'autodestruction. Alors peut-être que, normalement, en toute logique, si je me souviens bien, il va falloir faire tout péter. Hein? Bon, ça serait pas rigolo si on faisait pas tout péter, hein, vous en doutez bien. Alors là, normalement, j'ai activé l'ascenseur. Le seul ascenseur que je vois, il est là-haut. Je vais dans l'ascenseur, je descends, je tue un monstre, j'ai récupéré la clé pour Chris. Je fais le petit scénario, hein, je pense que ça va être ça. J'en sais rien, comme je vous ai dit, je me souviens absolument, vraiment de rien de tout ça. Espèce de grosse conne! Il faut sûrement appuyer sur le bouton de droite. T'y a pas moyen d'ailleurs. Attends. Non, j'ai une crampe, je peux pas. Jill. Oh bah ouais, tu te fous de ma gueule ou quoi? Putain, il mériterait, je lui crache au visage, lui. Non mais il se fout de ma... Mais lui, il nous suit.
Il doit nous suivre, le pervers. Jill, il fait chaud, j'ai monté la température. Relève ton t-shirt. Elle l'a pas enlevé, la salope. Il y a un truc comme ça. J'imagine, ça a l'air d'être un pervers. Alors là, il y a des munitions de fusil à pompe. Ok. Le malaise. Il aurait pu donner des munitions de Magnum. Oh merde, ça m'a fait peur. C'est quoi ce bordel? Putain, mais en fait, mais comment il y a on a trois armes principales, enfin quatre armes, mais il y en a trois qui sont vraiment puissantes. Comment savoir lesquelles munitions nous donne? Putain, il pourrait nous donner celles qu'on a dans la main. Ah, Wesker. Bon, on arrive à la fin. Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate Stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl. But I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry? You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family, you bastard. Oh! Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seemed to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell. It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Barry! Forgive me? No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Alors là, ça, là, je crois qu'on est réellement à la fin là. Oh punaise. Ouais, mais j'ai plus que pas beaucoup de munitions. Jill and Barry together. In hell. Par contre, il va se faire tuer, Wesker. Comment le mec, le monstre, il sait qu'il obéit à Wesker ou quoi? Allez, tiens, ferme ta gueule. Ah bah oui, non mais... Oh bah... T'as une arme à feu, hein? You viral cultured freak. Oh putain, la vache! Qu'est-ce que je fais? Ah! Je suis bloqué! Attends. On peut pas faire le tour! Ah la vache. Oh! Magnum! Bouffe mon pouvoir! Attention, oui, examinez. Ok, ouvre-moi ça. Vas-y, ouvre ça, j'ai dit. Qu'est-ce qu'on a dessus? Raccoon Herbs. Ok. Mélange de deux herbes vertes. Mais ta gueule, on va les prendre, on va les bouffer, voilà.
Mais non! Utilisez! Voilà! On va bien! Barry! Barry! Bon. Le monstre était pas si difficile. Je pense pas que ce soit le boss de fin, parce que là c'était un peu trop simple. Hein. Okay. Mais. La prochaine fois! Utilise ton pistolet, gros con! That was careless of me. Bah oui. Wesker. Il est parti. First, let's just get out of here. Ouais. Alors, le monstre, vous vous doutez bien qu'il n'est pas mort. Une machine permettant de combiner, voilà, les données. Ok, c'est tout ce qu'il y a. Ok, ok. Et il y en a du monstre là-dedans. Je vous regarde un peu ce qu'il y a. Il n'y a pas une petite clé pour aller sauver Chris, quand même? Ah. Ok, ok, ok. Bon, moi, c'est tout, hein. Ok, ok. Bon, je fais un petit check. Là, y a rien. Bon, écoute, on se casse. On se casse. Voilà. Bon, bah écoutez, heureusement qu'il n'y ait pas fallu de plus de munitions parce que j'aurais été un petit peu comme un con là. Je me voyais mal. J'ai même pas de couteau, j'aurais pu rien faire. Ah merde. Et Chris? Wesker must have set it off. Let's hurry. Bah. Bon, heureusement, il a pas désactivé le l'ascenseur, alors on a des jambons là. Oh bah. Allez. Alors, je vais aller chercher le fusil à pompe du coup. Et là, il me met des munitions de Magnum. Et tu penses pas à parler de Chris un peu un moment? Tu vois, il s'est barré, bah oui. Attends. Ah mais attends, petite question existentielle, je vais où? Tiens. Voilà. Ça va aller mieux, on va combiner tout ça, et équipement, voilà. Oui, je vais où là en fait? Attends, parce qu'il y a des... Ah, là là, là là. Chercher Chris peut-être? Il y avait quand même des petits moments de coupure entre les cinématiques, hein. Je sais pas ce qui se passe. C'est pas le CD qui est rayé puisque je l'ai téléchargé le jeu. D'ailleurs je crois qu'ils l'ont même pas sorti en CD ce jeu là, le remake. Ils l'ont sorti juste en... Ah! C'est déverrouillé! Ben voilà, j'ai bien fait de venir là! Chris, c'est déverrouillé! Viens avec moi! Mais il est plus là! T'es sérieux, ça a été déverrouillé, c'est même pas rendu compte. So everything's taken care of? Well, almost. Now let's get the hell out of here. Et là, la porte se... Ah ben non, en fait, c'était une fermeture électronique. Voilà, donc automatiquement, comme il y a le système de destruction, tout a été ouvert automatiquement. Ok. Mais lui, s'en est pas rendu compte. Bon, maintenant, il y a Chris avec moi. S'il veut bien se dépêcher, hein. Je vais pas t'attendre, hein. Je suis venu te chercher déjà. Je suis venu t'ouvrir la porte, chose que tu aurais pu faire toi-même. Bien sympa le mec. J'étais pas obligé, personne m'a frappé dessus hein, pour le faire. Non, je crois que je vais remonter de toute façon, on va remonter à la surface. Come on, ah bah voilà. Go. Oh bah, c'est lui qui donne le... Maintenant c'est lui, non mais oh, ouais. Ah, la mise en scène qui est rigolote. Et il est plus là. Le mec il m'attend même pas ce bâtard. Je vais le chercher, il m'attend pas. Enculé. Et où? Bon bah de toute façon je pense qu'il n'y a pas 50 000 endroits, hein. Je vois pas pourquoi j'irais ailleurs là, faudrait être un peu con. On va aller là. Et il aurait pu m'attendre ce bâtard. Hein. Putain mais c'est pas possible quand même. Barry m'attend pas, lui m'attend pas, et pourtant moi je suis toujours en train de me préoccuper des autres. Tiens on va la ramasser au cas où. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Bon bah, je vois pas où est-ce que ça pourrait être d'autre. Alors par contre, là j'imagine qu'il n'y a plus rien, je vais quand même prendre le lance-boule. Au cas où, c'est là je crois que le boss il va revenir. C'était trop simple pour moi. Alors attends, parce que là, c'est quoi?
Non, non, attends. Combiné. Yes, nickel, nickel. C'était trop simple pour moi, je suis sûr qu'il va revenir le boss. Donc là, il faut s'équiper. Ouais! Vous savez, yeah, il manque pas d'air, les bâtards! Hein. Ah, voilà. La porte qu'on ne pouvait pas ouvrir dès le début, je crois. Donc là, normalement, il y a peut-être un héliport, un hélicoptère qui nous attend, qu'on s'échappe comme ça. Oh là! Hey, il t'annonce la couleur. Hein. Là, généralement, quand ils te mettent ça à côté, c'est que tu vas en avoir besoin. Trousse de premier secours, je la prends. On y est! On est à la fin de Resident Evil! This is our last chance! C'est notre dernier espoir, notre dernière chance! Courons, courons, petit patapon! Où est-ce que sommes-nous? D'accord. Ok. J'ai une batterie, moi? Ah, elle est là! Oh, le con! J'ai plus de place! Ah, le bouffon! Attends, attends, on va faire un truc. On va ouvrir ça. Parce que si c'est une double herbe verte, et là c'est un spray, normal, bien sûr. Bon, allez, écoute. On va utiliser ça. C'est pas grave. Là, c'est quand même pour nous sauver. Hein, c'est vrai que l'espace d'une herbe verte, c'est bien l'espace d'une batterie. Hein, bon. Bon, c'est vrai que l'énigme là était pas vraiment présente. Hein. C'est juste pour nous casser les couilles. En fait, c'est juste pour que si t'as rempli tous les trucs. 3 minutes! Damn it! We're almost there! Jill, you just get in contact with Brad! No! We can make it! Et pourquoi ils y vont? Pourquoi on va pas tous en même temps? Oh ta gueule! Yes. Et il m'a pas attendu tout à l'heure et il me dit Woman First. Il me dit les femmes d'abord alors que tout à l'heure elle est partie sans moi. Eh, quel gros connard! Hein. C'est juste pour jouer au héros pour se faire caresser le torse après. Et ils avaient même pas besoin de partir les mecs! Hein. Ils pouvaient tout simplement me suivre! Non, fallait qu'ils jouent au héros! Et moi derrière, je me retrouvais seul face au boss. Les mecs, ils vont arriver comme si de rien. Oh, en fait, il y avait rien et toi, comment ça va? 3 minutes, bon voilà. 3 minutes, et c'est bâclé. Le compte à rebours est parti alors que moi je peux rien faire. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ça met un peu la pression. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah d'accord, bah attends, si je les utilise... Putain, ça tombe bien, c'était là où il fallait, hein. Allez, viens vers nous, monsieur, avec l'hélicoptère. Putain, mais c'était trop cool. Et fallait que je le prenne dans mon inventaire et que je le lance, j'aurais pas pu... Ah, j'aurais pas pu simplement appuyer sur le bouton direct. Ok. Voilà. Il est pas content. Oh merde. Oh, la tarniole. Ah oui. Tiens. Barry. Et Jill, qu'est-ce qu'elle fait? Jill, fais un truc. Non, elle regarde. Attends, attends, attends. On va prendre ça. Voilà. Oh putain! Oh! Ah, il rigole pas! Donne-moi ça! Il est où? Il est où? Ah putain, il est là. Oui, oui, je le veux. Je le veux. Je veux le lance-roquette. Ah, on fait moins le malin là. Ah oui, effectivement, je crois qu'il reste plus rien. Impossible de capturer cet écran, on s'en bat les couilles, on voulait pas le capturer de toute façon.
Bon, et bah écoutez, c'est la fin du jeu. Si je me trompe pas. Et le lance-roquette, il a fait plaisir. Par contre, c'est vrai que le petit raccord au moment où il prenait Barry, je lance le lance-roquette et là, il est tout seul et il se fait exploser. Limite, limite. Putain, cette maison où on est resté pendant des heures à tourner, elle est explosée. Voir la maison qui explose, c'est quand même un petit moment de nostalgie de se dire de tout ce qu'on a fait dans cette maison. Voilà, donc c'est la fin. Les trois survivants. Heureusement que l'hélicoptère était là. Bon, c'était un petit peu prévisible qu'on allait se barrer dans l'hélicoptère. Forcément, on n'allait pas se barrer dans les chemins. Ah, la fin de Resident Evil. Pas plus que ça comme cinématique, non? Non, c'est tout. Bon. Et ben voilà, ces petits moments nostalgie quand même, hein, je vous l'accorde. Je m'en cache pas d'avoir rejoué à ce Resident Evil des années et des années après y avoir joué la première fois sur PlayStation 1. Il est sorti, faut savoir, en 1996 la première fois. Et il a été remasterisé en HD qui est sorti, je crois, qu'il y a à peu près 2-3 ans. Sur PlayStation 4 et Xbox One, et donc c'était cette version ici, et ça faisait plaisir d'avoir rejoué à ce jeu là, ce vieux jeu d'enfance, ce jeu où j'ai passé des heures, et encore une fois j'ai passé des heures aujourd'hui en 2015, ça fait plaisir. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment sur tout ce let's play. Je ne sais pas si vous avez suivi tous les épisodes ou simplement celui-ci ou que quelques-uns. Mais en tout cas, n'hésitez pas à donner votre impression sur le let's play en général, ce que vous avez pensé. Bref, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à partager un maximum par commentaire tout ce que vous avez envie de dire. Et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Il y aura le let's play sur Resident Evil 2 prochainement. Pas tout de suite, je vais faire un petit break avec les let's play. Là, je vais faire plutôt des découvertes de jeux, pas mal de choses. Et je reviendrai avec un let's play sur Resident Evil 2 très prochainement. Mais avant tout, il y aura... j'ai pas mal de jeux où j'ai envie de faire des petits gameplays dessus. Simplement des petites découvertes, pas forcément des let's play. Mais en tout cas, ça faisait vraiment plaisir d'avoir fait ça. J'espère que vous avez passé des bons moments avec moi en ma compagnie sur ce let's play de Resident Evil. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à laisser un commentaire, donner votre avis. Et également, si ça vous a plu, à donner un petit pouce bleu, un like, ça fait plaisir, c'est la récompense. Et pour ma part, je vous laisse, je vous souhaite une excellente soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye! Jill, you did a fine job.